Catherine. Bonjour l'église. Good morning church. Moi je suis Catherine. I'm Catherine. Welcome to church this morning. Bienvenue à l'église ce matin. On va chanter ensemble. We're going to sing together. So please stand. Let's worship our Lord this morning. On va louer notre Seigneur ce matin. Sing in English. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Sing, the sun comes up. The sun comes up. It's a day dawning, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Sing it out, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Your holy name. And on that day. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Sing, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Oh, you sound great this morning, church. Okay. Let's keep singing. On va chanter en français. Quel grand amour. Quel grand amour. Que la terre te loue. Que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, son chemin et ton toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis.
annoncer ta gloire. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre. Sois exalté, tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul sing, no turning back. I've been set free. Let's sing, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. You're everything Christ, my all in all. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. And heaven is our home. Amen. Through
enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. You're everything I need. Okay, we're going to sing I Have Decided. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sing, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Amen, church. Father, we pray to you this morning. We are so thankful that we can gather here today in person. Nous te remercions parce que nous pouvons être ici ensemble. We thank you so much for your church. On te remercie pour ton église. We thank you so much for this body of people that just love you. Et on te remercie aussi pour ce corps d'église qui t'aime. And Jesus, we thank you that you died for your church. Et nous te remercions Jésus parce que tu es mort pour ton église. So that you could present her without blemish and without spot. Afin que tu puisses la présenter sans tache. We thank you for the miracle it is that we come from so many different nations and tribes and tongues. Nous te remercions parce que pour ce miracle qui est que nous venons de tellement de langages et de tribus différentes. And yet we're all one in Christ Jesus. Mais malgré cela, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Father, prepare our hearts for the service this morning. Père, prépare nos cœurs pour le service ce matin. May our hearts be open to your word today. Et que nos cœurs puissent être ouverts pour ta parole aujourd'hui. And may your name be glorified in everything we do this morning. Et que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons ce matin. And we pray all this in Jesus' name. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, church. Amen. Wasn't it good to worship this morning? Amen, l'église, est-ce que ce n'était pas superbe de pouvoir adorer le Seigneur ce matin? My name is Ray Levy. I am the campus pastor here at LifePoint Brussels. Mon nom est Ray Levy, je suis le pasteur du campus ici à LifePoint Bruxelles. And it's so good to be at church this morning. Et c'est vraiment super de pouvoir être à l'église ce matin. It's actually quite amazing. I'm kind of looking out and I'm seeing a lot of faces that I haven't seen before.
Et c'est vraiment superbe. Je regarde et je vois beaucoup de visages que je n'avais pas vus avant. You see, I've been away for a couple of weeks. I was on vacation with my family. J'étais parti pour deux semaines. J'étais en congé avec ma famille. And for the last number of weeks, we're very thankful to Pastor Joe and his family who came over. And I know that many of you spent a lot of time with you as a body of believers. Et nous remercions le Seigneur pour le pasteur Joe qui a pu venir ici pendant cette semaine. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont pu passer du temps avec lui. So my family is personally very, very thankful to Pastor Joe and his family. But we are also incredibly thankful to you. Et donc nous remercions le Seigneur pour la famille de Joe. Mais nous avons aussi beaucoup de remerciements pour vous. You know, it's worth saying at this point that we have gone through an incredibly difficult season as a church. On peut dire en ce moment que vraiment on a passé une saison très difficile en tant qu'église. And I think that's putting things very lightly. Et je dis les choses un peu légèrement là. But one thing that I and all the leadership at LifePoint are very thankful for is your heart during all of this. Mais une chose pour laquelle nous remercions vraiment le Seigneur, moi et tous les autres pasteurs de LifePoint, c'est votre cœur durant le service. Despite incredibly difficult circumstances, we've seen so many of you just invest and grow in your faith. Durant ce temps difficile, nous avons vu tellement d'entre vous qui ont vraiment grandi dans leur foi. That in difficult circumstances, when it would have been easy to pull back a little bit, we see more people stepping up into places of service. Et alors que dans ces moments, c'est très facile plutôt de voir des gens qui font un pas en arrière. Au contraire, on a vu des gens faire un pas en avant et vouloir servir. And while, you know, it may feel in this July, August season that, you know, lots of people are on vacation, and rightfully so. I mean, many people do need a rest. Et pendant ces mois de juillet et août, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé et ce sont des congés bien mérités. We are so thankful to the Lord in how He has worked in you and grown in you. Nous remercions le Seigneur pour la manière dont il a travaillé en vous et il vous a fait grandir. So LifePoint members, volunteers, I am personally so thankful to you. Donc, les membres de LifePoint et les volontaires de LifePoint, vraiment, je remercie le Seigneur pour vous. And I know that the other pastors, the leadership, are so thankful for you too. Et je sais que les autres pasteurs et les membres du leadership remercient aussi le Seigneur. And volunteers especially, I think that you guys need a round of applause for all that you have done over this season. We'll let the translation first and then we'll clap. Et vraiment, les volontaires, je crois que vous méritez d'être applaudis pour tout ce que vous avez fait durant cette saison. So, thank you. Well, guys, I am so thrilled today. You know, just before I invite someone up, I just want to remind you that you can still do your offering and giving online. Je suis très enthousiaste aujourd'hui et juste avant d'inviter quelqu'un, je veux juste vous rappeler que vous pouvez continuer à donner en ligne. Obviously, with COVID, we're not really passing the bag anymore, but we do have other ways that you can give. Bien sûr, à cause du COVID, on ne peut plus passer les sacs d'offrandes, mais il y a d'autres moyens de donner. So if you'd like to tithe or give an offering to the church, you can go to lifepoint.be/giveonline. Et donc, si vous voulez donner votre dîme ou des offrandes, vous pouvez aller sur le site lifepoint.be/donner. Right, and then over at the door just there, there is an offering box as well, if you prefer the old school, you know, kind of drop it in. Et si vous préférez l'ancienne méthode, il y a une boîte à l'entrée dans laquelle vous pouvez mettre une enveloppe, si vous préférez. But before I get into the message today, I am really excited for what we're about to hear. Mais avant de passer au message ce matin, je suis vraiment très enthousiaste pour ce que nous allons écouter. Some dear friends of mine, Milan and Lisbeth, some of you might know who they are. Des très bons amis à moi, Milan et Lisbeth, certains d'entre vous les connaissez. They are very, very soon taking an amazing step of faith. Ils vont
très bientôt prendre, faire un pas de foi très intéressant. They're taking a step in faithfulness to what the Lord has done in them. Et ils font un pas de fidélité par rapport à ce que le Seigneur a fait en eux. And so Milan has asked me whether he could say a few words to you as his church and us as a community of believers. Et donc Milan m'a demandé s'il pouvait dire certaines choses à vous en tant que son église et sa communauté de croyants. And as a family, I'm thrilled to hear what he has to say. Et en tant que famille, j'attends avec impatience d'entendre ce qu'il a à dire. So Milan, why don't you come up? Aaron, why don't you give him a clap? Use that. Yep, there you go. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Hello. Yeah. All right. I'm Milan. Donc je suis Milan. I'm from a small town in Flanders, in Belgium. Je viens d'une petite ville en Flandre, en Belgique. And I asked the pastors if I was able, if they would give me an opportunity to speak here in front of you of how I became a Christian. Et donc j'ai demandé au pasteur s'il voulait bien me donner l'opportunité de vous parler pour vous dire comment je suis devenu chrétien. Well, maybe as you know, Belgium is mostly an atheistic country. Vous savez probablement que la Belgique est surtout un pays athéiste. Well, and growing up in that country, my friends and I always believed that religion was irrational and that it contradicts with science. Et en grandissant, mes amis et moi, ce qu'on pensait, c'est que la religion était quelque chose qui n'était pas réel et qui allait en contradiction avec la science. And that's what we were taught at school as well. Et c'est également ce que nous avons appris à l'école. So I was an atheist pretty much all of my life until last year in March when I decided to follow Jesus. Et donc j'étais athée pour presque toute ma vie jusqu'à l'année passée en mars où j'ai décidé de suivre Jésus. I became convinced that Christianity was true because of the study of apologetics. J'ai été convaincu que la chrétienté était quelque chose de réel parce que j'ai étudié les apologétiques. It showed me many evidences pointing towards the Christian God. Et cela m'a montré beaucoup de choses qui me dirigeaient vers un Dieu chrétien. I found out that the Bible is actually trustworthy as an historical document. Et j'ai découvert que la Bible était un document historique auquel on pouvait avoir confiance. And I found out that we have reasons to believe, and good reasons to believe, that the Bible is actually the Word of God. Et j'ai découvert que nous avons de bonnes raisons de croire que la Bible est le livre de Dieu. Well, and if that's true, then I wanted to know what it says. Et si c'est réel, je voulais savoir ce qu'il y avait écrit dedans. That's why my wife and I, we made the decision to move to the US to study Bible school. Et c'est pour cela que mon épouse et moi avons décidé de déménager, d'aller aux États-Unis pour pouvoir suivre une école biblique. Some of my friends ask me like, aren't you afraid that you're going to find out that it's all a lie? Et certains de mes amis m'ont dit, n'as-tu pas peur de découvrir que c'est un mensonge? Well, and I asked that question myself. Et je me suis posé la question également. But as Christians, we have truth on our side. Mais en tant que chrétiens, nous avons la vérité avec nous. I can always look back to the facts. I can look back to the evidence that convinced me. Je peux toujours retourner vers l'évidence qui m'a convaincu. I can also look at my own life, how I was changed when I met Jesus. Et je peux aussi voir ma propre vie, combien j'ai été changé quand j'ai rencontré Jésus. I used to mostly think about myself. And now God has given me new desires. Je pensais surtout à moi et maintenant Dieu m'a donné d'autres désirs.
Now, why am I telling you this? Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? There are so many historical and philosophical arguments in favor of Christianity. Il y a plein d'arguments philosophiques et autres en faveur de la chrétienté. And it made me doubt my atheism, and it even made me become a Christian. Et c'est cela qui m'a fait douter de le fait que j'étais athée, et cela m'a fait devenir chrétien. Well, I hope my story can encourage you to take a look at those arguments. Et j'espère que mon histoire peut vous encourager à aller vérifier ces arguments. So that you can share them with maybe skeptical friends or colleagues or family members. Afin que vous pouviez les partager avec des membres de la famille, des amis ou même des collègues qui sont sceptiques. Maybe some of you sitting here are still unsure about what to believe. Et peut-être certains d'entre vous qui êtes assis ici n'êtes pas encore sûrs de ce que vous devez croire. Don't be afraid of the questions. N'ayez pas peur de poser des questions. There are so many great books available. Loads of good debates on YouTube, lectures, and go on. Il y a tellement de très bons livres et de débats que vous pouvez trouver sur YouTube et un tas d'autres matériels. And of course, we have our amazing LifePoint pastors who would love to talk to you about those things. Et bien sûr, nous avons aussi nos incroyables pasteurs ici à LifePoint qui voudraient vraiment discuter de ce genre de choses avec vous. If you have questions, you may be surprised about what you'll find. At least I was. Si vous avez des questions, vous serez peut-être surpris par ce que vous allez découvrir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. It's been so amazing to get to know this church and to meet all of you, because some of you really opened my eyes. C'était vraiment incroyable de rencontrer cette église et vous tous, parce que certains d'entre vous m'ont vraiment ouvert les yeux. You really helped me through my journey of faith and finding Jesus. Vous m'avez vraiment aidé durant mon voyage de foi et à trouver Jésus. I would like to finish with the words of the apostle Peter. Je voudrais terminer avec les paroles de l'apôtre Pierre. Find them in 1 Peter 3:15. Et nous allons les trouver dans le premier épître de Pierre 3:15. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope you have. But do this with gentleness and respect. First Peter 3:15, you said. Okay. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent la raison. Faites-le avec douceur et respect. Well, thank you for giving me this opportunity to share my story. And most of all, thank you for being LifePoint. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager. Mais merci aussi d'être LifePoint. Well, we are incredibly thankful to Milan and for him to share his story with you today. Nous sommes reconnaissants pour Milan et pour le fait qu'il ait partagé son histoire avec vous ce matin. I've had the blessing of having Milan and his wife Elizabeth in our small group. Ça a été une bénédiction pour moi d'avoir Milan et son épouse Elizabeth dans mon groupe de vie. And we're it's just incredible to see how the Holy Spirit has just been working in his life and their lives so enormously in this year. Et ça a été incroyable de voir comment le Saint-Esprit a travaillé dans leur vie. So I'm going to have Pastor Lewis, he's going to come up and he's going to pray for Elizabeth and Milan. If you both could come up. Et donc le pasteur Lewis va venir et prier pour tous les deux. And Lewis can take it from here. Milan is not kidding. We love difficult questions. Il a raison. On aime beaucoup à répondre à des questions. Because no matter what the challenge, it's amazing to see God, amazing to see His Word just step up.
Parce que peu importe le défi, c'est toujours incroyable de voir le travail de Dieu. And we're really sad to see you guys go and happy. Nous sommes à la fois tristes et heureux de vous voir partir. What I want to ask everybody to do is to please stand up. Et je vais vous demander de vous lever. And if you want to, you can lift up a hand. Et si vous voulez, levez vos mains vers eux. And we're all going to pray for them at Et on va prier ensemble. Heavenly Father, we give you thanks for Milan and Lisbeth, God. Seigneur, nous te remercions pour Milan et Lisbeth. Lord, we give you thanks that you send people to this church, God. Nous te remercions parce que tu envoies des gens dans cette église. We give you thanks that you have a plan for every single person that you send here, God. Et nous te remercions parce que tu as un plan pour chaque personne que tu envoies ici. And Lord, it hurts us. It hurts us deeply when people have to go away. Et cela nous blesse très fort quand on voit les gens partir. Sometimes people are here for a few days, a few weeks, a few months, or just a few years. Parfois, il y en a qui viennent pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou parfois quelques années. But Lord, we know that just like you had a plan to send them here. Mais nous savons, Seigneur, que de la même manière que tu avais un plan en les envoyant ici. You have an amazing plan when you send them somewhere else, God. Tu as un plan incroyable pour eux quand tu les envoies ailleurs. Lord, help us to find comfort in that, Lord. Aide-nous à trouver un réconfort en cela. Help us to find comfort in knowing that the Church of Jesus Christ is not just this little church here. Aide-nous à trouver un réconfort dans le fait que l'Église de Jésus-Christ n'est pas juste cette petite église ici. That it's a universal church, God, that transcends space and time. Mais c'est l'Église universelle qui dépasse le temps. And Lord, we're so grateful for what we've seen in Milan and Lisbeth. Et nous te remercions pour ce que nous avons vu en Milan et Lisbeth. How you've grown them in faith. De quelle manière tu les as fait grandir dans la foi. How they just shine in joy, in your joy, God. Et de quelle manière ils resplendissent dans ta joie. Lord, we pray as they go out to America to Bible school. Et nous prions alors qu'ils vont aux États-Unis dans une école biblique. That you be with them, God. Que tu sois avec eux. That you make the presence of Jesus so real in their hearts, God. Que la présence de Jésus soit tellement réelle dans leur vie. We pray, Lord, that whatever plans you have for them. Quel que soit le plan que tu as pour eux. That Jesus Christ would shine through. Nous prions que Jésus-Christ brille par eux. That you continue to grow them, to strengthen their marriage. Que tu continues à les faire grandir et à augmenter leur mariage. That they could form deep, meaningful friendships and relationships in America. Qu'ils puissent faire des amitiés, des relations d'amitié puissantes aux États-Unis. That they can learn more about you. Et qu'ils puissent apprendre plus de choses sur toi. How wonderful you are, God. Et combien tu es formidable. And that they'd be able to share that with anybody that's willing to listen. Et qu'ils puissent partager cela avec tout le monde. Lord, we're in pain to see them go, but we trust you, God. Nous sommes tristes de les voir partir, mais nous avons confiance en toi, Seigneur. And help us to rejoice, God, in knowing that you have an amazing plan for them. Et aide-nous à être joyeux pour cela. It's in Jesus' name that we pray all this. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Well, yeah, it's always a bittersweet moment. C'est toujours difficile. Part of living in Brussels, part of this church is often this sense of we are here for a season. Many of us are here for a season, and maybe they go elsewhere. Et le fait de vivre en Belgique et cette église, c'est souvent, beaucoup d'entre nous sommes ici pour un certain temps seulement, et puis après on doit continuer ailleurs. And we're called to that in the Christian life. Et dans la vie de chrétien, nous sommes appelés à cela. Because this is not our home. Parce que ceci n'est pas notre maison. Heaven is our home. Les cieux sont notre maison. We have a citizenship in heaven. Notre nationalité vient des cieux. And we can hold strong to that. Et nous pouvons nous concentrer sur cela. As Pastor Louis said, I'm thankful for them.
Et comme le pasteur Louis a dit, je remercie le Seigneur pour eux. I'm thankful for their faithfulness and what Christ has done in them. Je suis reconnaissant pour leur fidélité et pour ce que le Christ a fait en eux. And for their service. Et pour leur service. Thank you. Merci. Well, today we're going to continue in our series on reset. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série réinitialisée. You know, and it can sometimes seem like in this world everything and everyone is motivated by power. Et parfois, on peut voir dans ce monde que tout le monde et tout en fait est motivé par le pouvoir. You know, the main idea, like the main doctrine of our postmodern age, is that there is no truth. L'idée principale, la doctrine principale dans notre monde postmoderne est qu'il n'y a pas de vérité. So that all we're left with is power. Et donc la seule chose qui nous reste, c'est le pouvoir. And the thought is that everyone is part of some group. Et la pensée est que tout le monde appartient à un groupe. And because there is no ultimate truth, all we're left with is that one group can gain power over other groups. Et comme il n'y a pas de vérité ultime, ce qui nous reste, c'est que certains groupes ont le pouvoir au-dessus de d'autres groupes. But as individuals, we're certainly influenced by many of the same things. Mais en tant qu'individu, nous sommes sûrement influencés par différentes choses. I mean, just look at our music, or our arts, or our television, or our literature. That these are all things that strongly influence us. On peut regarder, par exemple, penser à la musique, la télévision, l'art, la littérature. Toutes ces choses sont des choses qui nous influencent très fort. And I mean, if all life is a race to the top, then I don't want to be left at the bottom with the scraps. Et donc, si tout ce qu'il y a, c'est une course vers le haut, je ne veux pas rester en bas de l'échelle. But hear me out for a moment. Mais écoutez-moi un peu. You know, I think as Christians, I think we know that we're supposed to live differently. Mais je pense qu'en tant que chrétien, je pense que nous savons que nous sommes censés vivre différemment. We know that we're supposed to act differently. Nous savons que nous devons nous comporter différemment. We know this. Nous savons cela. You know, many of us have grown up in church, or perhaps you've been coming to a church for a little while. Beaucoup d'entre nous avons grandi dans une église, ou peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous venez à l'église. So, why is it then that as Christians we find service so hard? Et donc, pourquoi alors? En tant que chrétien, nous avons tellement difficile à servir. Why is it so hard? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile? Why don't we go out of our way to often do the things that we're called to do? Pourquoi est-ce que nous faisons pas l'effort de faire la chose pour laquelle nous sommes appelés? You see, a Christian is called to service, but serving is often something that we're not quite ready for. Les chrétiens sont appelés à servir, mais le service est quelque chose pour lequel souvent nous ne sommes pas prêts. Or perhaps we feel like we're not quite able enough. Ou peut-être pense-t-on qu'on n'est pas assez capable. Or there isn't enough time for. Ou qu'on n'a pas le temps. Or we're not quite motivated enough to do. Ou on n'a pas assez de motivation pour le faire. So I think it's appropriate then this morning that we look at what Jesus has modeled for us. Et donc, je crois que c'est important ce matin de voir ce que Jésus nous a montré. The text that we're going to be diving into this morning is John chapter 13, verses 1 to 17. Et donc, le texte que nous allons lire, c'est Jean chapitre 13, versets 1 à 17. It's great to see so many of you reaching for your Bibles. We're going to be jumping around a little bit this morning, so it would be great if you have your Bible there with you, so that you can kind of look through the whole text. Et je vois que ça fait vraiment plaisir de voir que beaucoup d'entre vous ouvrez votre Bible. Et ce serait bien, comme on va sauter un peu dans les versets, que vous ayez votre Bible devant vous pour pouvoir suivre. You see, this passage
is intended to show us and teach us that not only that Jesus came to serve and that we are meant to be serving people. Ce passage nous montre que non seulement nous sommes appelés à servir les gens, but that Jesus' love is ultimately revealed to us in his loving actions at the cross. Mais que l'amour de Jésus est révélé pour nous sur la croix. Here we see a powerful antidote to the self-obsessed and power-obsessed nature of our age. Sorry, can you say that again? That's okay. Here we see a powerful antidote to the power-obsessed and self-obsessed nature of our day. On voit ici l'antidote à l'obsession que nous avons aujourd'hui envers la puissance, envers le pouvoir. Washing feet. Laver les pieds. And Jesus' foot washing asks us. Et it asks us a question. Le fait que Jésus ait lavé les pieds répond à cette question. Is this how we love each other? Est-ce de cette manière-là que nous nous aimons? Is this how we love each other? Est-ce de cette manière-là que nous nous aimons les uns les autres? So let's dive into the passage today, bit by bit, and let's break it down. On va lire le passage et puis après on va le couper en morceaux. You see, I think ultimately one of the reasons why service is difficult is because it requires lowliness. Je pense qu'une des raisons pour laquelle le fait de servir est difficile, c'est parce qu'il exige de la modestie. It requires us to think much less of ourselves and more of others. Cela demande que nous pensions beaucoup moins à nous-mêmes et beaucoup plus aux autres. And this is why what Jesus did here is so remarkable. Et c'est pour cela que ce que Jésus a fait ici est tellement remarquable. Okay, so we're going to pick things up at verses 4 and 5. Et donc on va commencer par les versets 4 et 5. I'll read first in English and then in French. D'abord en anglais puis en français. So he, Jesus, rose from supper. He laid aside his outer garments and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. Wipe them with the towel that was wrapped around him. Et donc il, Jésus, se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Can you imagine the looks on the disciples' faces as in the middle of the meal, Jesus got up, got a towel, and wrapped it around himself like an apron. Pouvez-vous imaginer le regard des disciples lorsque, au milieu du repas, Jésus s'est levé et il a commencé à laver les pieds de ses disciples? Jesus got up and took on the appearance of a servant. Il s'est levé et il a pris l'apparence d'un serveur, d'un serviteur. Something very much like a menial servant, someone like a maid or like, you know, you can imagine like a boy who shines shoes or something like that. Quelqu'un vraiment de fort humble comme une femme de ménage ou quelqu'un qui nettoie les chaussures. He steps over the line from one being served to the one serving. Et il sort de la personne qui est normalement servie par les autres et devient celui qui sert. And I think the disciples, we can safely assume, are staring at him in kind of like this slack-jawed wonder. Et on peut penser que les disciples le regardent et avec cet air de « mais qu'est-ce qui se passe ?» As he begins to wash their feet. Alors qu'ils commencent à laver leurs pieds. You see, washing feet in those times was one of the lowliest things that someone could have done. À cette époque, laver les pieds de quelqu'un était la chose la plus basse que quelqu'un pouvait faire. You know, in fact, in research for this sermon, I found out that in like later Jewish tradition, they wouldn't even let other Jews, like Jewish slaves, wash their feet. They would only allow like Greeks or Gentiles.
Et en faisant une recherche pour ce sermon, j'ai découvert que dans la culture juive, ils ne laissaient même pas les servants juifs leur laver les pieds, uniquement les gentils, les Grecs ou ceux qui étaient non-croyants. And the reason for this is that in these times, feet would get like particularly dirty. Et la raison pour cela, c'est qu'à cette époque, les pieds étaient vraiment très sales. Well, people didn't have enclosed shoes back then. Ils n'avaient pas des chaussures fermées à cette époque-là. So they walked everywhere, and I don't just mean like to your car, they walked everywhere. Et ils marchaient partout, je ne dis pas juste jusqu'à votre voiture, ils marchaient partout. So you can imagine that as people walked, their feet were getting covered in dust and in dung from the animals around them. Your feet would have gone absolutely filthy. Et donc vous pouvez vous imaginer que les pieds étaient couverts de boue, d'excréments d'animaux, donc les pieds étaient vraiment sales. So we should pause for a moment and give a moment of reflection and imagination to really what is happening. Et donc on devrait faire une pause ici et réfléchir à ce qu'il se passe vraiment à ce moment-là. You see, just as I kind of mentioned before, I just recently came back from vacation. Donc, comme je vous l'ai mentionné juste avant, je reviens récemment de vacances. Now, I'm like really cheap, and so I didn't want to pay for the toll on the highway when we drove to our destination. Et donc, je suis souvent radin, et donc je ne voulais pas payer pour le péage de l'autoroute. It was totally stressful. It added like 2 hours to our trip, but we thought it was a good idea at the time. Et donc c'était vraiment stressant, ça a rajouté 2 heures à notre voyage, mais à ce moment-là, on pensait que c'était une bonne idée. But little did I know that taking that route would have meant that we drove through the Austrian Alps on our way to our destination. Mais je ne savais pas à ce moment-là que le fait de choisir cette direction-là m'a fait traverser les Alpes autrichiennes. And as we took the long, very long, windy road to our destination, I couldn't help but be blown away by the mountains that stood before us. Et alors que nous avons pris cette très longue route en zigzag vers notre direction, j'ai vraiment été impressionné par ce que je voyais devant moi. You know, as we're driving up and up and up and up, and these sheer rock faces just keep going up above us. Alors que nous montions et montions et montions et montions, et ces montagnes rocheuses continuaient à être devant nous. And in that moment, I couldn't help but feeling overwhelmed by the sense that this was created by someone. Et à ce moment-là, j'étais vraiment époustouflé par le fait que ceci a été créé par quelqu'un. How awesome is the creation? So how much more awesome must the creator be? Si la création est tellement époustouflante, combien le créateur doit être encore plus époustouflant? It was absolutely breathtaking, and it was one of the highlights of our trip. Et cette partie était une des parties les plus intéressantes de notre voyage. But it was these same hands that fashioned these mountains that I was driving through that was grappling the corns on the bottom of his disciples' feet. Et c'est les mêmes mains qui ont créé ces montagnes incroyables ont nettoyé les corps aux pieds de ses disciples. It was the same creator that was wiping off the droppings of some goat off the feet of someone else. C'est ce même créateur qui nettoyait les saletés sur les pieds de quelqu'un d'autre. It was the same hands that were smearing out the filth between people's toes. Les mêmes mains qui enlevaient la saleté entre les orteils de certaines personnes. And when all was clean, it was these same hands that carefully and lovingly dried his disciples' feet. Et quand tout était propre, ce sont ces mêmes mains qui, avec amour, ont essuyé les pieds des disciples. Who is this that behaves this way? Qui est cette personne qui se comporte de la sorte? What other religious leader has ever done something like this?
quel autre chef religieux a jamais fait quelque chose comme cela? You can look through the Quran or the Buddhist text, but you will find no story comparable. Vous pouvez chercher dans le Coran ou dans les textes bouddhistes, vous ne trouverez pas une histoire similaire. But this is Jesus. This God is a God of love. Mais c'est Jésus, Jésus qui est un Dieu d'amour. He is the God of love. Il est le Dieu d'amour. He has come to serve, and now he begins to show the full extent of his love. Il est venu pour servir, et là il commence à montrer la grandeur de son amour. And so then I want us to pull back a moment and look at verse 3. Et donc je voudrais aller un peu en arrière et lire le verset 3. It says this: Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, that he had come from God and was going back to God. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. You see, God the Father put all things under Jesus' feet. Dieu le Père a mis toutes choses sous les pieds de Jésus. He knew that he had come from God and that he was going to return to him. Il savait qu'il venait de Dieu et qu'il allait retourner vers lui. You see, Jesus was secure. Jésus était assuré. Jesus didn't have to prove anything to anyone. Il n'avait rien à prouver à personne. You know, sometimes helping can kind of like do more harm than good. Parfois, le fait d'aider peut faire pire plutôt que mieux. Because it's driven by the insecurities of the person who is trying to do the helping. Parce que ça passe par les insécurités de la personne qui essaye d'aider. But Jesus is not serving us to get something out of us. Mais Jésus ne nous sert pas pour récupérer quelque chose. Jesus is serving because he is love. Jésus sert parce qu'il est amour. By washing their feet, Jesus is not abandoning his authority and supremacy. En lavant leurs pieds, Jésus n'abandonne pas sa suprématie et son autorité. You know, verse 13, the disciples call him teacher and Lord, and they are right, for so he is. Et dans le verset 13, les disciples l'appellent maître et seigneur, et ils ont raison parce qu'il est ainsi. So we should not interpret Jesus' love as weakness or his service as sentimentality. Et donc, nous ne devons pas interpréter l'amour de Jésus comme une faiblesse ou son service comme quelque chose de sentimental. Jesus has all authority on heaven and earth, and his power is immeasurable. Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et sa puissance n'est pas mesurable. And yet, in this lowly act of service, he humbled him. Et pourtant, dans cet acte de service, il s'est humilié lui-même. If the creator of the heavens and earth, the one who flung the stars into space, lowered himself. Si le créateur des cieux et de la terre, celui qui a lancé les étoiles dans l'espace, s'est abaissé lui-même. Him serving those that he created. In his love. En servant ceux qu'il a créés dans son amour. How much more should we who owe everything to Jesus do so also? Combien plus devrions-nous qui devons tout à Jésus faire de même? We should not look at any service as beneath. Nous ne devons pas regarder le service, aucun service, comme quelque chose qui nous rabaisse. You know, I often hear in kind of like church circles, or even I've heard some sermons preached that, you know, only those that are gifted should serve in those areas. J'entends souvent dans des sermons qui dans d'autres églises ou en ligne que uniquement ceux qui ont un talent doivent servir dans ce domaine-là. Like you might complete like a survey form or something like that, that kind of people evaluate what you're good at, what you don't really like to do, and it's like, that's what you're going to do.
où tu dois remplir un formulaire où on peut évaluer ce qui tes points forts et tes points faibles et dire voilà c'est ça que tu dois faire. Look, and I don't get me wrong, I don't think it's wrong or I don't think it's necessarily bad or a problem to look to serve in areas where you're gifted. Je ne pense pas, comprenez pas mal, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose d'essayer de servir dans un endroit où vous avez des talents. But I think just looking at it that way is kind of a faulty way of looking at things. Mais je pense juste que le regarder de cette manière-là est un mauvais regard. Jesus here demonstrates that there is no act of service that is beneath him. Jésus démontre ici qu'il n'y a aucun acte de service qui soit indigne de lui. And we shouldn't think so either. Et nous ne devrions pas penser cela non plus. You know, when Jesus washed his disciples' feet, he got up and served others because there was no one else there to do it. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il s'est levé et il l'a fait parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire. I mean, certainly the disciples weren't going to get up and do it. Parce que les disciples n'allaient sûrement pas se lever pour le faire. But Jesus was also willing to humble himself and demonstrate a lowly act of service for those that he loved to the uttermost. Mais Jésus était prêt à s'humilier et à faire preuve d'un acte de service humble pour ceux qu'il aimait à l'extrême. Jesus demonstrates that inside these church walls and outside, we are called to be lowly. Jésus a montré que dans ces murs d'église et à l'extérieur aussi, nous sommes appelés à être abaissés. To humble ourselves and to serve those around us. À être humbles et à servir ceux qui sont autour de nous. You know, whether that be the perceived least of tasks. Que cela soit pour faire le moindre acte. You know, the ones that receive no glory. Celles qui n'ont aucune gloire. Perhaps people only notice it when things go wrong. Peut-être que les gens ne remarquent ce service que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Or the task with the most influence and visibility. Ou peut-être que l'acte avec qu'on voit le plus. Christ demonstrates for us here that we are to put ourselves last and to serve others. Jésus nous démontre ici qu'on doit mettre notre propre personne en dernier et servir les autres. But what is our motivation to do that? Mais quelle est notre motivation pour cela? Well, Jesus gives us two clear motivations to act in this way. Jésus nous donne deux claires motivations pour cela. And we find that this lowly service leads to blessing. Et nous pouvons trouver que ce service abaissant amène à des bénédictions. So we're going to skip forward a little bit and look at verses 16 and 17. On va voir les versets 16 et 17. It says, this is Jesus speaking. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. So firstly, our motivation is that a servant is not greater than his master. Et donc notre première motivation est le fait que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. In other words, being a servant, that establishes our relationship with God. En d'autres mots, le fait d'être un serviteur, cela établit notre relation avec Dieu. And this gives us assurance. Et cela nous donne l'assurance. See, we bear the image of our master when we act as a servant. Nous portons l'image de notre maître lorsque nous comportons en tant que serviteur. We are the messenger of God. We are messengers of God, and we bear His marks. Nous sommes les messagers de Dieu et nous portons sa marque. You see, this is the upside down world of the kingdom of God. Ceci est le monde à l'envers du royaume de Dieu. And secondly, one of our other motivations is that Jesus says that we will be blessed if we do these things.
Et la deuxième motivation, c'est que Jésus nous dit que nous allons être bénis si nous faisons cela. You see, there is a weight, there is a burden that we bear when we're only interested in power, authority, or personal gain. Il y a un poids que nous portons lorsque nous ne sommes intéressés que par le pouvoir. Look at those people in positions of responsibility of, you know, high government office or corporate office. You know, rarely do these people walk with a spring in their step to the office. Regardez ces gens qui sont en position de haute fonction gouvernementale ou dans une entreprise. Ils marchent rarement avec un sourire. So how do we bear the weight of great responsibility? Donc comment pouvons-nous porter le poids de la grande responsabilité? Well, Jesus demonstrates a clear example here. Jésus nous démontre un exemple très clair ici. Servez. Servez. That will be what ensures that you are blessed. C'est cela qui va assurer le fait que vous soyez béni. That you are in a happy, joyful, you're in a state of what Jesus declares is the right way to live, even when you don't feel like it. Que vous soyez heureux, joyeux, dans un état que Jésus déclare être la bonne façon de vivre, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. But in the matter of Christian service, in the matter of service to others, as in all matters of Christian living. Mais dans ce qui concerne le service envers les autres et dans tout ce qui concerne la vie chrétienne. It is one thing to know what we should do, but it is another to do it. C'est une chose de savoir ce qu'on devrait faire, mais c'est une autre chose de le faire. Indeed, the blessing comes not with the knowing, but with the doing. Parce que la bénédiction vient pas parce qu'on le sait, mais parce qu'on le fait. You see, in theory, being a servant and being humble isn't really worth very much. En théorie, le fait d'être un serviteur et d'être humble n'a pas beaucoup de valeur. If you just know that, it doesn't really matter. Si vous le savez, ce n'est pas important. But the practice of being a servant, it pleases God and it fulfills our calling. Mais la pratique de la servitude fait plaisir à Dieu et ça apporte notre bénédiction. In the practice of being a servant, blessing is brought and so is happiness. C'est notre vocation et dans la pratique, cela nous apporte la bénédiction et le bonheur. You know, as I was writing this sermon, I couldn't help but think of a Christian man that I know called Greg. He used to serve at a church that I went to back in Sydney. Et donc, pendant que j'écrivais mon sermon, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un homme chrétien que je connaissais. Il s'appelait Craig et il servait à une église dans laquelle j'allais avant. And he was one of the greeters there at my church. And that's probably what we would call like first impressions here at Life Point. Et il était à l'accueil à ce moment-là et c'est probablement ce que nous appelons ici les premières impressions. And he served there every Sunday, as far as I can remember. Et il servait là-bas tous les dimanches, aussi loin que je puisse m'en souvenir. And every Sunday, he would welcome me with like the hugest smile on his face, with like the warmest handshake, and he would just be so happy to see you. Et chaque dimanche, il accueillait là-bas avec le plus grand sourire, avec la poignée de main la plus chaleureuse. Et tu sais, il était vraiment content. But he wasn't just like that with me. He was like that with everyone that came through our doors. Et il n'était pas comme ça uniquement avec moi. Il était comme ça avec chaque personne qui passait la porte. This man served in a position that I think we would say is not a position of great glory. Il servait à un poste que nous considérions comme pas, que ce n'est pas un poste glorieux. He didn't expect people to thank him for what he did. Et il n'attendait pas à ce que les gens le remercient pour ce qu'il faisait. It wasn't a position that people were scrambling to sign up to on the roster. Ce n'était pas une position où les gens essayaient vraiment
de faire partie de ce groupe. But he faithfully served there for years. Mais il a servi là fidèlement pendant des années. And 2 years ago, I went back and visited my church back home, and he was still there serving. Et il y a 2 ans, j'ai visité mon ancienne église chez moi, et il était toujours là. 8 years after I left. 8 ans après que je sois parti. And came to Belgium. Et que je sois venu en Belgique. You see, from the outside, I'm not sure that many people would have coveted this humble work. Je ne pense pas que beaucoup de gens auraient convoité son humble travail. But he was there week after week. Mais il était là, semaine après semaine. And I think that he knew that in this service was great blessing. Et je pense qu'il savait que dans sa servitude, il y avait une grande bénédiction. And not for his own personal gain, but because the Lord was glorified in those actions. Et pas pour son gain personnel, mais parce que le Seigneur était glorifié. And he felt free in his service and grew in great God-filled joy. Et il était libre dans son service et augmentait dans la joie de Dieu. You see, I think that he understood that serving not only gives you assurance that you are a disciple of the serving master. Je pense qu'il comprenait que le fait de servir ne t'assure pas seulement que tu es un disciple du maître qui servait. It also simply gives you true happiness. Mais que cela te donne aussi simplement la vraie joie. You enter into his blessing in the shadow of the cross. Tu entres dans sa bénédiction sous l'ombre de la croix. And it's that cross, the lowliest act of service, that inspires our service. Et c'est cette croix, l'acte de service le plus bas qui inspire notre service. And let's look at that now. Et regardons cela maintenant. Let's go to verses 6 to 10 and see how this unfolds. Nous allons voir les versets 6 à 10. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him, What I am doing, you do not understand now, but afterward you will understand. Peter said to him, You shall never wash my feet. Jesus answered him, If I do not wash you, you have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. And Jesus said to him, The one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you. Il arriva donc vers Simon Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Here we find Simon Peter ever willing to address the elephant in the room. Ici, on voit Simon Pierre qui voit plutôt l'éléphant dans la salle. Asking Jesus when it comes to his turn. Et il pose une question à Jésus quand c'est son tour. He says, Lord, do you wash my feet? Et il dit, Seigneur, tu me laves les pieds? But really, we should read this with like astonishment in his voice as he says this. Mais on devrait lire cela avec l'étonnement dans sa voix lorsque il dit cela. Lord, do you wash my feet? Seigneur, tu laves mes pieds? A stunning act of service. Un acte de service étonnant. And Jesus points to the meaning of all this. Et Jésus leur montre la raison. To show the full extent of his love. Pour montrer la pleine étendue de son amour. By replying, What I am doing, you do not understand now, but afterward, you will understand. Et il dit, Ce que je fais, vous ne comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez après. Afterward, when the disciples see Jesus die on the cross. Après, lorsque les disciples verront Jésus mourir sur la croix. And when the Spirit reveals to them the meaning of the cross.
Et quand l'Esprit leur a révélé la raison de la croix, they're able to understand that they worship the crucified Messiah, a loving and humble God. Ils sont capables de comprendre qu'ils adorent le Messie crucifié, un Dieu aimant et humble. And a serving Lord. Et un Dieu serveur. But for now, Peter does not understand. Mais pour l'instant, Peter ne comprend pas cela. But then listen to Jesus' reply in the second half of the verse. Mais écoutez ensuite la réponse de Jésus. If I do not wash you, you have no share with me. Si je ne te lave pas, tu n'as aucune part avec moi. How hard is it for sinners to accept that we need a savior? Combien il est difficile pour des pécheurs d'accepter qu'on a besoin d'un sauveur. We will do anything rather than accept that we need saving. On fera n'importe quoi plutôt que d'accepter qu'on a besoin d'être sauvé. Far easier is it to think that we can earn our salvation by some kind of arduous and difficult task. Il est beaucoup plus difficile de penser, il est beaucoup plus facile de penser qu'on peut gagner notre salut. But we don't see that here. Mais on ne le voit pas. We see that receiving God's blessing requires for us only the humility to allow Jesus to wash us. On voit que le fait de recevoir la bénédiction de Dieu, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'être humble assez pour pouvoir recevoir son service. There is no other way to heaven other than the basin and towel of Jesus' sacrifice for us. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel que le bassin et la serviette du sacrifice de Jésus pour nous. Peter may have made many mistakes. Pierre a peut-être commis beaucoup d'erreurs. But what sets him apart is his desire to please Jesus. Mais ce qui le distingue des autres, c'est son désir de plaire à Jésus. Well, how does he continue? He says, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Et donc il continue et il dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Let us have that desire. Que nous puissions avoir ce désir. Let us be like Peter. Que nous puissions être comme Pierre. If Jesus wants one thing, let us offer him all things. Si Jésus veut une chose, qu'on puisse lui offrir tout. You see, Peter didn't fully understand things then. Mais Pierre n'a pas tout à fait compris les choses à ce moment-là. But he would know as Jesus went to the cross in the ultimate act of service. Mais il allait le comprendre quand Jésus est allé sur la croix comme en tant qu'acte de service ultime. The full weight of our sins borne on Jesus' shoulders. Le poids total de notre péché sur les épaules de Jésus. And because he has done this for us in his ultimate service. Et parce qu'il a fait cela dans son service ultime pour nous. How much more should we be willing to pour ourselves out in the service of others? Combien plus nous devrions vouloir nous mettre notre service au profit des autres. For so great is the love, forgiveness and grace poured out for us. Parce que l'amour, le pardon qui a été donné pour nous est tellement grand. So great an act of service carried out for us. Un acte de service tellement grand qui a été fait pour nous. That if this is the case, how could we act any differently? Si c'est vraiment le cas, comment est-ce qu'on pourrait nous comporter différemment? Do you comprehend the fullness and amazing nature of your salvation? Est-ce que vous pouvez comprendre l'entièreté et l'incroyable nature de votre salut? The work that God has done in you. Le travail que Dieu a fait en vous. And this is why in verse 10 Jesus says, et c'est pour cela que Jésus, dans le verset 10, dit « The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean, and you are clean. » Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver que les pieds pour être entièrement plus pur, et vous êtes pur. We were bathed and washed clean in Jesus' blood on the cross. Nous avons été baignés et lavés dans le sang de Jésus sur la croix. We all sin. We're all sinners. Nous péchons tous. Nous sommes tous des pécheurs. But through the saving work of the cross, if you have come to Jesus by faith, you have been washed clean.
Mais grâce à l'œuvre de salut de la croix, si vous êtes venu à Jésus par la foi, vous êtes lavé. Jesus' ultimate act of washing was completed on the cross. L'acte ultime d'être lavé de Jésus a été accompli sur la croix. But this lowly act of foot washing was a loving act of service that he left for us very purposefully. Mais cet acte humble de laver les pieds était un acte d'amour et de service qu'il a laissé pour nous de manière très délibérée. So as we kind of move to the end, alors que nous allons passer vers la fin, it's worth asking, why did Jesus do this act of foot washing? Ça vaut la peine de se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus a fait cet acte? Why did he? Pourquoi? So that you also ought to wash one another's feet. Afin que vous aussi puissiez laver les pieds les uns des autres. Jesus is setting an example for his disciples to follow. Jésus pose un exemple pour ses disciples, un exemple qu'ils puissent suivre. He is showing them how God's authority and power, and therefore the authority and power we have as Christians, should be revealed in loving, humbling service. Il nous montre comment l'autorité et la puissance de Dieu, et donc l'autorité et la puissance que nous-mêmes en tant que chrétiens avons, doivent se révéler dans un service aimant et humble. This all leads to verse 15. Cela nous mène au verset 15. For I have given you an example that you also should do just as I have done. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait pour vous. So are we truly serving other people? Alors est-ce que nous servons réellement des autres personnes? Are we truly serving other people? Est-ce que réellement nous servons les autres? You know whether you're really a servant when other people kind of treat you like. Vous savez que vous êtes réellement quelqu'un qui sert quand les autres se comportent envers vous comme si vous l'êtes. You're taken for granted. Vous êtes considéré comme acquis. You're not given the credit for doing something important. On ne vous accorde pas le mérite de faire quelque chose d'important. You're forgotten. On vous oublie. You're left with the menial or the undesirable task. On vous laisse les tâches subalternes ou indésirables. You receive no praise. Vous ne recevez pas d'éloge. All these, my friends, are the marks of service. Tout cela sont les marques du service. At home with your children. À la maison avec vos enfants. At work with the other staff. Au travail avec les autres personnes avec qui vous travaillez. With your friends or your neighbors. Avec vos amis ou vos voisins, at school. À l'école. But God sees your quiet and humble service. Mais Dieu voit votre humble service. God knows. Dieu sait. And he looks at you. Et il vous regarde. And he sees you and he sees your faith. Et il vous voit et il voit votre fidélité. And rewards it in full in heaven. Et il la récompense pleinement dans les cieux. So do we bear the burdens? Service with joy and contentment. Alors, est-ce que nous portons le fardeau d'un humble service avec joie? Yet Jesus lowered himself to the feet of his disciples, and he says, "Go and do likewise." Jésus s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples, et il a dit, "Allez et faites la même chose." So, what are the needs that you see around you? Donc, quels sont les besoins que vous voyez autour de vous? Do you help out around the home? Est-ce que vous aidez à la maison? Husbands and wives, do you submit to one another in service, in love for Christ? Mari et femme, est-ce que vous vous soumettez l'un à l'autre en service, en amour pour le Christ? Do you look to serve each other's needs? Est-ce que vous recherchez à servir les besoins de l'autre? And children, do you help out your parents? Et les enfants, est-ce que vous aidez vos parents? A couple of kids alike. Il y a certains enfants qui regardent de l'autre côté. But I'm not just talking about young children. Mais je ne parle pas seulement des jeunes enfants. The older children, do you take steps to grow in independence so you can help out?
Est-ce que même les enfants plus grands, est-ce que vous faites des pas pour devenir plus indépendant afin de pouvoir aider? So like working outside, working, taking a job so that you can help assist your family. Travailler afin que vous puissiez aider votre famille. And then I know within the church that we have some very real and practical needs. Et je sais dans l'église aussi que nous avons des nécessités, des besoins très pratiques et très réels. And I want you to hear these and don't just think about them, act on them. Et écoutez cela et n'y pensez pas seulement, mais actez. You might not notice, but we have a kids club. Vous avez peut-être remarqué que nous avons un club pour les enfants. And we have a generation of young people that need to know who the Lord is. Et nous avons une génération de jeunes enfants, de jeunes personnes qui ont besoin de savoir qui Jésus est. They need women and men to help serve and to have Christ-like role models for them. Ils ont besoin de femmes et d'hommes qui doivent les aider, qui doivent servir et les aider afin qu'ils aient un modèle. To show them what it is to live a life worthy of their calling. Qui puissent leur montrer ce que c'est de vivre une vie qui est digne de leur appel. We have a production team. On a une équipe de production. And the needs of that production team have grown exponentially since COVID. Et les nécessités de cette équipe de production a vraiment énormément grandi depuis le COVID. Not only do we have someone on sound and someone on the slides, we now run a live stream every week. On n'a pas seulement quelqu'un qui s'occupe des slides et quelqu'un qui s'occupe du son, on a aussi un live stream toutes les semaines. And others that volunteer to welcome and interact with our guests who find us online. Et d'autres personnes aussi qui s'occupent de souhaiter la bienvenue aux gens qui interactent avec nous en ligne. And we have a first impressions team that are the crucial first interaction for people who walk through our very doors. Et nous avons l'équipe des premières impressions qui sont les personnes cruciales pour les personnes qui arrivent et qui passent la porte. What impression do we give off to our guests or the people who come as they walk through the doors? Are we happy to have them here? Quelle impression nous donnons aux gens qui viennent à l'église? Est-ce que nous sommes contents qu'ils soient là? For many, LifePoint might be the first time that someone has ever been to a church. Pour beaucoup de personnes, LifePoint est peut-être la première fois qu'ils mettent le pied dans une église. What do we demonstrate and communicate as ambassadors of Christ? Qu'est-ce que nous montrons et qu'est-ce que nous communiquons en tant qu'ambassadeurs du Christ? Don't get me wrong, service is not limited to this. Ne vous détrompez pas, le service, ce n'est pas juste cela. And certainly not just within these four walls either. Et pas non plus uniquement dans ces murs. There are many ways to show how to serve in the way that Christ showed us. Il y a beaucoup de manières de montrer comment on peut servir de la manière que Jésus nous a montré. But just to finish up for today, and Catherine might want to come back up. Juste pour finir aujourd'hui, Catherine va revenir. I want to share a story that I once read about an author, a theologian that has been very influential, definitely, certainly for me. Je veux partager avec vous l'histoire d'un auteur théologien qui m'a beaucoup influencé. Now, I once read a story about the great John Stott. Et j'ai lu un jour l'histoire du grand John Stott. He was the pastor and rector of All Souls Langham Place in the middle of London, incredibly influential in terms of all Christendom. Et il était le pasteur à Londres qui était très influentiel. He wrote some of my favorite and most formative Christian books. Il a écrit certains des livres que j'aime beaucoup, que je préfère. He sold over 8 million books worldwide. Et il a vendu à peu près 8 millions de livres dans le monde entier. But one day he was visiting some bishops abroad. I think it was in Africa. They had a synod meeting. Et un jour, il visitait à l'étranger, je pense en Afrique, il visitait un bishop. And after the meeting had concluded, the bishops were astonished to find him there in the room still. Et après que la réunion soit terminée, ils étaient étonnés de voir qu'il était toujours dans la salle. He's putting away the chairs.
Il mettait les chaises de côté. He was sweeping the floor. Il nettoyait le sol. He was cleaning the surfaces. Et il nettoyait la pièce. I couldn't believe it. Et il n'arrivait pas à le croire. But Christ says, go and do likewise. Mais Jésus a dit, allez et faites la même chose que moi. We are saved so that we might serve. Nous avons été sauvés afin de pouvoir servir. So we're going to move into a moment of communion. Nous allons passer à la communion. You know, at LifePoint, we believe in open communion. À LifePoint, nous croyons à la communion ouverte. Meaning, if you have surrendered your life to Jesus as your Lord and Savior, you are welcome to join us too. Ça veut dire que si vous avez donné votre vie à Jésus en tant que sauveur, vous pouvez vous joindre à nous. But if, as an individual, you have not surrendered to Jesus as your Lord and Savior, I would ask that you just refrain from taking the elements. Mais si, en tant qu'individu, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, je vous demande de ne pas prendre part. I hear some people kind of peeling the plastic. You can just wait for a moment. We'll just have a moment of reflection. On va prendre un petit moment d'abord à réfléchir. So these elements represent the body and blood of Christ. Donc ces éléments représentent le corps et le sang de Jésus. But as we come together to take the elements, we will take a moment to pray to the Lord and examine ourselves. Et alors, avant de prendre ces éléments, nous allons prendre un moment pour prier et nous examiner nous-mêmes. To examine your own heart. Rechercher notre cœur. To consider any unrepentant sin. Penser à des péchés dont nous n'avons pas repenti. Perhaps there's a personal sin that you've been cherishing in your heart. Peut-être qu'il y a un péché personnel que vous gardez dans votre cœur. And one of which you must repent. Un péché pour lequel vous devez vous repentir. You see, 1 Corinthians chapter 11, verses 27 and 29 says this. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29 dit ceci. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. So just before we take the elements together, donc juste avant de prendre les éléments ensemble, we're going to spend some time quietly examining ourselves. Nous allons prendre le temps de nous examiner en silence. Confessing and repenting of our sins to the Lord. Afin de pouvoir nous repentir de nos péchés envers le Seigneur. Catherine will lead us in a song of worship. Catherine va nous diriger dans une chanson d'adoration. But you may remain seated if you wish to sing along as a prayer. You may do that. Vous pouvez rester assis si vous voulez chanter en même temps en tant qu'une prière. Vous pouvez le faire. After we sing, we'll take the elements together. Et après que nous ayons chanté, nous allons prendre les éléments ensemble. So let's quietly pray, reflect, and worship to the Lord. Donc nous pouvons prier, réfléchir et adorer le Seigneur. Je vis en ton amour agir.
belle histoire d'amour est en toi. First Corinthians chapter 11, verses 23 and 26 says this. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Church, you may take the elements out. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu. Il a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Vous pouvez prendre le pain. As the Lord went and modeled, so we go into. Take the bread, give thanks. Comme Dieu nous l'a montré, nous allons prendre le pain et le remercier. And in the same way also he took the cup after supper saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death." De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Life Point, take the cup, drink, give thanks. Life Point, prenez, buvez et remerciez le Seigneur. Church, let's finish out this Sunday in worship. Nous allons finir ce dimanche en louant le Seigneur. I love you. It's good to be back. Je vous aime. Je suis content d'être de retour. Have a great Sunday. Ayez un bon dimanche. Bless. Stand with me. Let's sing, church. On va chanter ensemble en anglais. We'll sing in English.
search the world. I search the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Together, and every desire is now satisfied here in your love. Let's sing, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You turn mourning to dancing. You give beauty. You turn shame into glory. You're the only one who can. Sing that again. You turn mourning. You turn mourning to dancing. You turn beauty to ashes. You turn shame into glory. You're the only. Turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing. Sing it out. Better than you. Oh, there's nothing. Better than you, Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Let's sing that again. There's nothing. Oh, there's nothing better than you, Lord, there's nothing. Better than you, Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Let's sing, you turn mourning one more time. Let's sing it out. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Have a great week, church. Bon semaine. It was so nice seeing you this week.
We'll see you next Sunday. À la dimanche prochaine.